classement 2014 des lycées vient d'être publié. Le Figaro, Le Parisien ou L'Express tirent un palmarès en analysant les indicateurs publiés par le ministère de l'Éducation. Selon L'Express, le meilleur établissement de France est le lycée Saint-Joseph à Nice. Dans les Bouches-du-Rhône, trois lycées marseillais sont en tête du classement. Le cours Bastide, le lycée Lacordaire et le lycée Chevreuil-Blancard. Dans l'Hérault, le lycée Nevers à Montpellier est sur la première marche du podium, suivi du lycée Auguste Loubatière à Agde et du lycée Joffre à Montpellier. Dans le Gard, la première place revient au lycée Bellevue à Alès. Deuxième, le lycée Saint-Vincent-de-Paul à Nîmes. Et troisième, le lycée Jean Villard à Villeneuve-les-Avignon. Alors, en fonction des médias, le classement est totalement différent. C'est ce que dénonce la présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, Valérie Marty. Il regarde déjà le taux constaté de réussite au bac, ensuite le nombre d'élèves rentrant en seconde qui sont parvenus jusqu'en terminale et qui ont eu le bac. Et donc il y a aussi un critère qui est un petit peu l'évaluation qualitative de l'accompagnement au sein de l'établissement scolaire des élèves, c'est-à-dire en prenant en compte leur âge, et s'il y a plus de filles que de garçons, les catégories socio-professionnelles. Donc après, il y a un taux attendu qui fait que est-ce que l'établissement a tiré au mieux les élèves jusqu'au baccalauréat.